droite, à droite. Maintenant, je vais te battre. Maintenant, attends, je... Ah, attendez, attendez, les gars. Mais attendez. Attends. Il reste juste un peu. Ça pique. Eh, c'est bon, non. C'est fini. Machin, ça suffit. Et vous, juste là, c'est pas vraiment intéressant. Regardez ce que je me suis acheté. C'est un catnap. Ok, ce chat va désormais vivre ici, dans ma chambre. Et qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh bien, nous n'avons pas de console dans nos chambres. Ouais, nous n'avons pas de console dans nos chambres. J'ai pas de télé non plus. Et bon, d'accord, regardons un film d'horreur. T'as peur ou quoi? Non, mais vas-y, cours, détourne de toi pour ça. Oh, bon sang, c'est trop effrayant. Non, mais je peux plus regarder ça. Allez, les gars, arrêtons. Moi aussi, les gars, je vais probablement aller me coucher. Moi aussi. Et bon, d'accord, en gros, je suis d'accord. Allez, Safik, retourne dans ta chambre, s'il te plaît. Donc tu me sors de ma chambre, c'est ça, là, non? Eh bien, je vais dormir ici, moi. Allez, vas-y. Et Macha, toi aussi, va dans ta chambre. Je peux y aller toute seule. Voilà, et moi, je vais dormir ici avec mon nouveau jouet catnap. Mais ne me faites pas peur la nuit, compris? Bon, on va pas te faire peur, Macha. Bonne nuit, catnap. Mouah. Non. C'était un cauchemar. Ouf. Quand est-ce que je vais enfin bien dormir? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, je vais boire un peu d'eau. Ces derniers temps, dormir est devenu vraiment difficile. Pourquoi ça? J'ai rêvé ou quoi? Oh, c'est vraiment étrange. Oh, c'est sûrement Artyom qui me fait une farce. C'est sûr à 100%. Safik dort, mais Artyom peut-être pas. Il faut le vérifier. Il se fait avoir. Il dort vraiment. Bon sang, alors qui était en train de marcher derrière moi dans la cuisine? Ou bien, j'ai vraiment rêvé? Bon... Oh, mon cher petit catnap... Catnap. Oh, en fait, où est-il? D'habitude, tu dors tout le temps avec lui. Tu l'as perdu ou quoi? Eh bien, tant pis, les chiens, c'est quand même mieux. Je vais donc aller dormir. Bon sang, les gars, si j'avais su que sortir pour boire de l'eau me coûtait ce couloir sombre, il venait par un truc rouge brillant, je ne serais jamais sortie pour boire de l'eau. Je serais restée dans ma chambre à dormir. Je dois trouver un moyen de me téléporter rapidement et de m'endormir. Macha, qu'est-ce qu'il fait? Lève-toi. Pourquoi tu traînes ici, toi, hein? Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que je fais dans ce couloir? Je sais pas, je suivais sa fille et toi, t'es là. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors, dis-le? Eh bien, je me suis endormie apparemment. J'ai fait un cauchemar et à cause de ça, je ne dors pas bien du tout, hein. Moi aussi, j'ai fait des cauchemars. Oh, mais j'aimerais bien réveiller un peu, mais ça ne marche pas du tout, hein. Moi aussi, j'ai des problèmes avec les cauchemars. On peut regarder les caméras de surveillance pour voir ce qui se passe la nuit quand on dort, compris? D'accord, mais... Rien du tout, les gars. Et ça fait qu'on va vérifier, on sort. Allez, on y va. Peut-être qu'en fait, quelque chose nous dérange. Bon, regardez. On est trois maintenant. Hein? Et vous voyez la caméra? C'est ma chambre. Et là, c'est la chambre de Macha. On voit tout. Ouais. Et la chambre de Safik. Super. Maintenant, on va se coucher et après, on vérifiera ce qui se passe vraiment la nuit. Allez, Safik, c'est tout. Encore cet état de fatigue! Quand est-ce qu'enfin je vais bien dormir, hein? Catnap? T'es où? Hé! Catnap a disparu! Les gars! Pourquoi tu cries? Catnap a disparu! Alors, c'est quoi le truc? Mon petit chat! On doit regarder les caméras! On va tout vérifier! Ma chambre? Et c'est quoi cette fumée rouge là? Et toujours quand je dors ici, il y a un brouillard rouge ici!
C'est toi qui as mangé des chips, ou quoi? Hé, attends, la caméra s'est éteinte. Bon. Non mais, c'est n'importe quoi. Et la chambre de Macha? Pareil, la même chose. Et on voit que tu bouges beaucoup, tu vois? Oui, j'ai fait des cauchemars. Hé, elle s'est éteinte aussi. Safik, vite, 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 vite. Et il ne reste plus que toi? Mais moi, tout allait bien, quoi, les gars. Safik? C'est quoi, ça? C'est mon petit catnap. Il est énorme. C'est lui qui m'a attaqué, les gars, je vous jure, c'est sûr, dans la nuit. Chut. Et cette caméra s'est éteinte aussi. Catnap! Attends, s'il n'est plus avec toi, ça veut dire qu'il se promène quelque part. Peut-être que c'est... Attendez, on va vérifier les alentours du studio. C'est super rapide, mec. Le drone est en l'air, près de notre studio. Et je vois tout de suite des traces noires. Regardez, ce sont probablement les traces de celui qui a manipulé mon catnap. Je vais suivre ces traces et trouver celui qui a fait tout ça. Oh. Peut-être que ce sont juste ces traces, regardez, non? Regardez, il est là, énorme, et c'est vraiment mon catnap. On dirait qu'il bouffe quelqu'un. Je sais pas, il est dos, il mâche. Et c'est quoi? Il s'est retourné? Ce sont des os. Oh mon dieu! Et qu'est-ce que vous me proposez? Que je ramène mon petit chat au magasin où chaque enfant le touche comme ça, là? Arrête! Mais au moins, il nous touchera plus dans nos rêves comme ça, là, c'est chiant! Bon? C'est prise, quoi! Non! On trouvera notre petit chat! J'ai compris! Allez, plus vite, s'il te plaît, quoi! Catnap, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu avais tellement faim! Mais comment c'est possible? Tu comprends que les gars veulent que je te rende au magasin? Miaou, miaou. Écoute, je suis désolé, viens ici. Mais tu es vraiment bizarre. On va y aller et je vais te rendre. Et j'espère que tu trouveras de nouveaux propriétaires. Parce que ça, c'est vraiment inacceptable, compris? Miaou, miaou. D'accord, on y va, mon ami. Du tonnerre? Pourquoi est-ce que je dors si mal, hein? J'ai des courbatures de partout, mais comment je vais dormir? C'est impossible! T'as le même problème? T'as le même problème aussi, toi? Ouais, et c'est terrifiant. Pourquoi je suis ici alors que je suis là? Et pourquoi il y en a deux comme moi? Je suis unique, après tout. Et quelque chose s'est passé. Allons voir. D'accord. L'essentiel, c'est de ne rien manquer. Quelque chose de bizarre. Attendez! Et ça, c'est quoi, ça? C'était pas là avant. Exactement. Et ils ont l'air gentils, mais regardez, ces sourires et ces yeux-là. Un lapin, un cochon, un éléphant. Et c'est une souris. Et je dois admettre que ça ressemble un peu à mon catnap, quand même. Mais il a l'air vraiment effrayant, je dirais. Écoute. Mais je pense que c'est lui, non, ici. Attendez. Et si c'était toi qui avais dessiné ce truc pour nous faire peur, hein? Parce que sa fille et moi t'ont demandé de ramener ton chat au magasin. Non. J'étais ici. Peut-être que c'est l'autre Artyom là-bas. Non, il ne fait rien. Cet Artyom-là, il se repose. Et toi, t'as décidé de nous faire une blague un peu bizarre pour te venger parce qu'on veut virer ton putain de chat à la con, quoi. Mais les gars, ce n'est pas moi. Croyez-moi, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Hein? C'est quoi, ça? Du tonnerre? C'est quoi ce bruit? On dirait que ça vient de l'endroit où je dormais, quoi. Allons dans la zone de détente, les gars, tout de suite. Oh, mon Dieu. Il y a aussi des autocollants ici. Et regardez combien de télés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 télévisions. Et il y a ce dessin animé de partout. Essayons de comprendre. Regardons ce dessin animé en entier et découvrons ce qui se passe. D'accord. La porte s'ouvre. Et qui est entré? Regarde, c'est un chat. Non, c'est pas mon chat. Mais c'est qui alors, les gars? Regarde ce sourire effrayant. Oh, c'est super flippant. Et est-ce qu'ils ont peur de lui ou il les a hypnotisés? Je ne sais pas. Regarde. Il y a de la fumée rouge. Comme chez nous. Oui, c'est exactement la même chose, à 100%. Regarde, les petites bêtes commencent à devenir folles. Filme ça. Ah! Oh là 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 là. Regarde,
Toutes les peluches se sont éteintes. C'est un cauchemar, les gars, quoi. Endormi. C'était quoi, ça? Je sais pas, Safik n'y va pas. Mais Safik, Safik, arrête. Pourquoi tu vas là-bas? Arrête-toi. J'ai une chute d'ampoule, pourquoi t'as agi comme un gamin, quoi? Qu'est-ce que c'est encore? Non, mais c'est quoi, c'est quoi cette connerie, là? Les gars, ils sont pas là, moi je suis ici. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant, quoi? Il y a de la magie qui se passe ici, quoi, alors j'espère qu'il y a personne, là. Oui, bon. Ouais. C'est fermé. Oh, merde, c'est fermé, là aussi. Oh, putain, là, c'est tout. Mais pourquoi il y a personne ici, les gars? Oh, mais pourquoi les portails sont... Mais non, elle est ouverte, ouais, super, j'espère qu'il y a quelque chose. Macha? Ah, je sais, les gars, c'est Macha. Elle dort juste ici, quoi. C'est Macha la paresseuse, quoi. Non? Non, c'est pas ça. Ah! Oh non, Safik! 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 Macha, la porte est fermée! Safik! Essayons une autre porte, une autre! Eh, ça ne s'ouvre pas. Allons-y! Allez, on y va! Allez! Ouvre! Et ici, c'est fermé aussi! Safik! Safik! Sur la vidéo, quand le chat soufflait la fumée, tout le monde s'est endormi sauf le chat! Donc, il est certain que Safik est allé et a peut-être été pris en otage par son chat! Et nous avons un passage secret dans les toilettes! Dans les toilettes? Dans les toilettes! Dans les toilettes! Allons-y! Ouais! Allez! Hé! Macha! 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 Artyom! Artyom! Non! Oh, mon Dieu! Tu es... Nous avons fait la plus grosse erreur! Nous nous sommes séparés! Oh, et voici la porte secrète! Bon, je vais essayer de sortir par là. J'espère qu'Artyom s'en sortira seul. Et... Zut, les gars! Il y avait un passage avant! Il y avait vraiment un passage! Et maintenant, il y a un mur! Il n'était pas là avant! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça, qu'est-ce que c'est? Abandonné, traître, miaou, et des empreintes de pas de chat partout. Il n'y avait pas ça avant non plus. Ça ressemble beaucoup à ce catnap. Est-ce qu'il se venge de nous pour l'avoir retourné au magasin? Hé, Macha! Quoi? Catnap? Hé, catnap! Hé, petit chat, catnap! Hé, t'es où, toi? T'es où? Catnap! Petit chat! J'entends que tu marches! Hé oh! T'es là? Bon, arrête maintenant! Allez, sors! Nous expliquerons tout aux autres! Catnap! C'est une erreur! Catnap! Catnap! T'es pas catnap! Tu viens d'où? D'où viens-tu? Non! Éloigne-toi! Non! Laisse-moi! Allez, au cours! Ah, salut, mec! Laisse-moi tranquille! Quelle horrible araignée! Tiens! Quelle horreur! Ma pantoufle est maintenant couverte de sabbat! Zut! Quel monstre! Mais... Je l'ai vaincu! Oui! Attendez, donc j'ai vaincu ma peur! Eh bien, je suis génial! Oh, contournons-le! Et... voilà! Ouais! La porte ouverte! Ah, oh, ça a fonctionné! Ouais! On dirait que nous sommes dans un cauchemar maintenant! Un cauchemar? C'est-à-dire dans un rêve, quoi? Et comment sortir de ce cauchemar? Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait un mauvais rêve? Il faut se réveiller! Nous ne voyons qu'en dormant! Mais donc nous sommes dans un putain de cauchemar, les gars, quoi? Eh bien, il faut qu'on en sorte! Il faut nous réveiller et tout sera... Vous avez entendu? Catnap! Non! Ne crie pas, mieux vaut pas crier, il va y avoir... Cachons-nous quelque part, Miaou, vous m'avez abandonné, miaou. Oh, derrière le rideau, catnap, ne te fâche pas comme ça. Il est énorme. Vous ne m'aimiez pas, miaou. Et je voulais juste que vous dormiez.
premier, moi. Maintenant, vous allez dormir pour toujours. Pardonne-nous, s'il te plaît. Nous pensions que ce serait mieux pour tout le monde, vraiment. Ce n'est pas que tu nous plaisais pas. T'es bien, c'était juste difficile de dormir. Prenez ça. Mais c'est quoi ce brouillard là, non? Il faut... Alors, un, deux, trois, on bouge dans le nez et on se tire d'ici, allez! Allez, on court! Vite. Allez, on court, allez! Oh, on peut respirer! Nous devons absolument trouver un moyen de nous réveiller! On peut essayer de se chatouiller quand tu dors, on te... Ouais, on va bien te chatouiller, toi. Allez, vas-y, on essaye. Ça va être marrant, les gars. Ouais. Bon, c'est jamais tant qu'on n'essaye pas, n'est-ce pas? Allez, mais qu'est-ce que tu veux dire par un autre... Ouais, vous allez me détacher, hein? Ouais. Allez, viens. Bon, d'accord, ça peut aussi fonctionner. Regardez ce que j'ai trouvé. Ouais. Nous avons ce truc-là. Faites attention, vous allez me toucher avec cette pomme. Avec ça, on pourrait essayer de battre Catnap. Qu'en pensez-vous? Attendez. Réellement, si nous ne sommes pas dans un cauchemar, eh bien, comme nous avons essayé de nous réveiller et que ça n'a pas marché, peut-être que nous sommes dans un jeu. Et pour nous réveiller, il faut que le jour se lève. Et pour que le jour se lève, il faut allumer la lumière. La lumière peut être allumée avec cette chose-là. Ouais, alors, bon là, comme ça... Je me suis retournée, attendez. Regardez, ici, il y a des poignées comme ça et encore des sangles, donc je propose d'aller allumer la lumière, d'accord? Mais ça fonctionne vraiment, mec! Bah, je vais essayer d'allumer. Attention, venez avec moi. Même si les mains ne fonctionnent pas, peut-être qu'il sera effrayé visuellement. Alors, nous devons aller là-bas, quoi. Incroyable! Regardez toute cette fumée, les gars! Si, plus vite! Non, allez là-bas, elle n'est pas une option! On sort immédiatement dans cette fumée et puis ça sera à la mort, quoi! Eh les gars, on peut pas y aller parce que sinon c'est fini pour nous! Qu'est-ce que c'est? Un masque à gaz, regardez! Super! L'un d'entre nous peut le mettre maintenant! Et y aller dedans! Et récupérer les piles pour mon attrapeur, vous comprenez? Allez les gars! Je sais pas si j'y arriverai, mais je m'en fiche, quoi! Je suis Artemar Isnef! Écoute, Safik, tu penses qu'il n'y a que des piles dans notre immense studio? Juste dans la chill zone! Bah oui, elles sont là, elles doivent être à leur place, quoi! Toutes les chauves doivent être à leur place, c'est tout, c'est comme ça! Écoute, et si, par exemple, on les prenait dans une télécommande, il y a toujours des piles là-dedans! Logique, Et où trouver une télécommande, alors? Eh bien, je sais pas, regardons, il y a des télécommandes partout! D'accord, bonne idée, on va essayer, allez, vas-y, viens, allez, on y va! Bonne chance, Artyom! C'est bien que les gars ne soient pas venus ici! Il y a tellement de fumée! C'est difficile de respirer! Où est cette batterie, là? Les télés ne fonctionnent pas! Allez, la batterie, où es-tu? La mosque à gaz est presque épuisée! Il faut trouver la batterie plus vite! L'oxygène est en train de manquer. C'est très difficile. Quoi? Ouais, l'interrupteur. La fumée rouge se dissipe. Et maintenant, on peut chercher. Où est-ce que la batterie est posée? Une petite batterie! Il faut retrouver Macha et Safik. Où ils sont? Mais je vais marcher longtemps dans cette fumée rouge. Peut-être que... j'ai désactivé les mains et je peux vérifier rapidement les caméras. Voyons. Regardons là. Ils ont arraché la fiche et l'examinent. Je me demande ce qu'il y a dedans. Regardons.
Alors, recette pour l'antidote contre le gaz de Gatnap, Artyom. Oh, ils sont sortis la radio. Ils veulent probablement me contacter. Heureusement que moi aussi j'en ai une. Artyom, il faut préparer l'antidote contre le gaz de Gatnap. Je vous entends, que voulez-vous dire? Il faut trouver du lait, du sucre, du lait et tout mélanger. Allez, vous tapez les doigts. Compris, je vais essayer de trouver tous les ingrédients. Quelle odeur! Ah, Artyom! Eh, à qui tu m'as laissé, hein? Tu m'as tellement menti! Ces enfants m'ont constamment touché pendant que j'étais sur l'étagère et je suis devenu puant et sale! Et maintenant, je vais leur faire payer! Vous allez voir! Ça va être marrant! Vous allez voir! Arrête! Pas de fumée rouge! Qu'est-ce que c'est ça? Il faut qu'on se casse, les gars. Cette chose semble fonctionner. On se casse maintenant. Ça vique. Écoute, tout est parfait, quoi. Nous avons trouvé le pistolet à eau. Tu peux verser ta mixture ici et puis nous, on sera prêts, quoi. Et c'est fait. Maintenant, nous pouvons allumer la lumière et chasser Gatnap et entrer dans le monde réel. Allons-y. Cela va nous aider à allumer la lumière. Mais comment tu veux que ça nous aide? C'est quoi ça? Oh, regarde, Safik, c'est un point d'énergie. Je me connecte ici avec l'attrapeur, avec cette poignée, comme ça. Et je vais tirer ce cordon-là vers les pylônes électriques, comme ça, doucement. Et lorsque mon cordon tendu touchera le deuxième pylône, la lumière va s'allumer. Allons-y. 3, 2, 1... Alors, nous sommes réveillés. Quoi, Gatnap? Maintenant, vous ne pouvez plus m'échapper, vous les petits gars, vous allez voir. Nous étions prêts pour ça, Gatnap. Ouais, prends ça. Tire encore. Je déteste l'ail. Vous pensez que ça va m'arrêter? Mais vous allez maintenant dormir dans le sommeil éternel. De la fumée rouge. Non, les gars, je pense que nous ne sommes pas remis dans notre monde. Les gars, non. Macha! Oh là 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 là, Safik, et toi, ça va? J'en peux plus. toi, Gatnap, pourquoi tu fais ça? Gatnap, je t'aimais vraiment. Je voulais pas te rendre au magasin. Non, pardonne-moi. Vraiment? Gatnap? Alors donc c'était seulement un rêve? C'est probablement ce pop-corn périmé de sa fille qui la porte tout le temps. Ouh, quel rêve étrange! Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous! Assurez-vous d'atteindre les 100 000 likes! En attendant, cliquez ici et regardez cette vidéo! Cliquez directement sur cette vidéo, allez-y! Cliquez ici, amusez-vous et à bientôt!